Ce 14 avril, 4 jours seulement après son décès dû à une dissection de l'aorte, les obsèques d'Hervé Thémines ont été célébrées au cimetière du Montparnasse dans le 14e arrondissement de Paris. Beaucoup de célébrités étaient présentes, dont évidemment Valérie Lemercier, son ex-compagne. Il est décédé en effet cette semaine à l'âge de 65 ans. Ses proches se sont donc réunis pour célébrer ses obsèques au cimetière du Montparnasse dans le 14e. Sur place se trouvaient notamment l'humoriste Antoine Decaune, l'actrice Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni, l'homme politique Jean-François Copé, son épouse, l'homme d'affaires Xavier Niel ou encore Claire Chazal. Mais la personnalité qui a marqué les esprits évidemment était Valérie Lemercier qui était sa compagne pendant 7 années. Alors qu'elle ne s'est pas exprimée publiquement concernant la mort d'Hervé Thémines, l'actrice de 59 ans a fait le déplacement pour ses obsèques où elle est apparue. Bouleversée, le visage caché derrière des lunettes fumées, elle a fait une apparition tout en sobriété. Un moment évidemment douloureux pour la star, même si la page était tournée depuis bien longtemps, sur son histoire d'amour avec l'avocat. Mais cela n'empêche pas les sentiments et le respect d'exister encore. Thank you.